Bonjour à tous. Bien, donc bienvenue dans cette session sur les nouveautés en imagerie au sein d'ArcGIS. Donc nous serons deux pour cet atelier, Angela et moi-même. Bonjour Angela. Bonjour. J'espère que à tous votre semaine de conférence commence bien. Bon, si vous rencontrez le moindre souci, n'hésitez pas à contacter nos équipes sur le site directement afin que vous puissiez profiter pleinement de l'événement. Alors, sans plus attendre, dans cet atelier, nous allons vous présenter les nouveautés pour l'imagerie en termes de contenu, de gestion, de production cartographique ou reality mapping à travers différents produits, les analyses bien entendu, et tout ce qui a trait à la visualisation de vos résultats et de leur exploitation jusqu'à leur partage. Nous aurons assez peu de démonstrations, plutôt quelques vidéos, et vous verrez que malgré ça, le contenu d'information va être très dense. Donc, il est possible que nous passions très vite, trop vite sur certains aspects, et nous nous en excusons d'avance et nous vous invitons soit à prendre contact avec nous pour approfondir certains points, ou revoir cette session en replay pour revenir sur les planches qui seraient passées un peu vite. Bien, donc rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Donc ArcGIS, c'est un système d'imagerie complet qui s'appuie sur cinq piliers capacitaires, les contenus, le management, c'est-à-dire la gestion des images, de leur format, de leur mise à disposition. Le reality mapping, nous reviendrons plus en détail sur cette nouvelle notion et ce qu'elle recouvre. Les analyses, avec un focus sur le machine learning notamment, et la visualisation, que ce soit sur des environnements web ou desktop. Donc, nous allons détailler les nouveautés du système dans chacune de ces cinq capacités. Alors, où est-ce que je peux traiter de l'imagerie dans le système ArcGIS? Il y a différentes formes de déploiement. Avec Image Analyst, l'extension d'ArcGIS Pro qui vous permet de visualiser, exploiter, de faire de l'analyse géospatiale d'images grâce à des outils de géotraitement, tout en pouvant les automatiser pour accélérer les process d'analyse sur un environnement desktop. Avec Image Server, qui fait partie d'ArcGIS Enterprise, vous avez un système de calcul et de stockage distribué permettant le traitement analytique et la gestion de très grands volumes de données. Avec ArcGIS Images pour ArcGIS Online, vous avez les mêmes fonctionnalités, mais dans une solution SaaS. Et enfin, avec ArcGIS Images Dedicated, vous avez toutes les fonctionnalités de gestion d'analyse d'imagerie sur votre environnement cloud, Amazon Web Services ou Microsoft Azure en mode continu. Nous évoquerons également les applications indépendantes, mais tout aussi essentielles pour le traitement de l'imagerie, avec notamment SiteScan pour ArcGIS, ArcGIS Drone to Map, et Shure pour ArcGIS. Nous ferons également un focus appuyé sur une nouvelle capacité, le Deep Learning Studio. Donc, nous ne pourrons évidemment pas aller dans le détail de chacune de ces fonctions et de ces applications, mais vous aurez l'opportunité de les découvrir plus en détail dans d'autres sessions, en particulier sur les drones. Alors, nous commençons donc par les contenus, car sans données maîtrisées, la puissance de la technologie n'est rien. Toute ressemblance avec un autre slogan serait tout à fait fortuite. Pour avoir accès aux pétabytes de données d'imagerie disponibles dans le monde ouvert ou commercial, plusieurs options s'offrent à vous. Le Living Atlas, qui met à disposition des milliers de couches de données, images, à des niveaux de traitement très différents, qu'il s'agisse de mosaïques d'images brutes ou de produits élaborés comme des classifications, des applications qui permettent de visualiser ou exploiter ces différents produits, des partenaires en capacité à fournir des images de tout type, satellites, aériennes, drones, mais aussi de l'image orientée. Et enfin, votre contenu, qu'il soit stocké dans votre entreprise, votre organisation ou un stockage cloud. Le Living Atlas est une collection d'informations géographiques, des images, des cartes, des applications, des modèles, une quantité énorme de contenu produit par Esri ou par d'autres acteurs, mais qu'Esri a revu et en quelque sorte validé avant d'être intégré au catalogue. La couche World Imagery est certainement l'une des base maps les plus populaires et les plus employées. Cette base map fait l'objet d'une mise à jour continue, avec des volumes déjà réalisés très importants sur les zones métropolitaines du monde entier. À l'échelle régionale, avec des données à moyenne résolution, ce sont des dizaines, des centaines de millions de kilomètres carrés couverts et à couvrir et à mettre à jour. Et enfin, ces mises à jour de données d'imagerie peuvent également provenir de contributions de la communauté des utilisateurs. C'est notamment par ce biais que l'on verra apparaître certaines couvertures aériennes. À noter que la couverture orthophoto de l'IGN
fait l'objet d'une publication de service premium à part d'Esri France et n'est pas intégrée à cette couche. Au-delà des basemaps, qui sont plutôt en fond de plan, plus que pour leur contenu spectral, Esri publie également des services d'imagerie dynamique composés à partir de données des Landsat ou de Sentinel-2. Ces données sont assemblées, pré-traitées pour permettre une exploitation des valeurs physiques et calibrées, telles que les températures de surface ou les réflectances. Ainsi, l'analyste pourra accéder à une large couverture mondiale sans nécessité de télécharger les données sources. Parmi ces traitements de télédétection, il y a bien évidemment la classification d'occupation du sol. Esri en réalise une de façon régulière en exploitant des méthodes d'intelligence artificielle sur les données Sentinel-2. La série temporelle constituée par ces occupations du sol annuelles, mondiales, permet de s'intéresser aux évolutions des usages et des paysages, un outil précieux pour monitorer la dynamique des territoires dans l'espace et dans le temps. À des échelles encore plus globales, mais à plus basse résolution spatiale et à fréquence quotidienne, il est aujourd'hui possible de consommer les services décrivant les paramètres physico-chimiques de l'atmosphère grâce aux données produites par le satellite Sentinel 5P. On s'intéressera ainsi à des paramètres tels que l'ozone, le méthane ou le monoxyde de carbone. Pour aller plus loin sur ces différents contenus d'imagerie disponibles sur ArcGIS Online ou chez nos partenaires, producteurs de données images, je vous invite à assister aux sessions animées par nos collègues de l'équipe contenu, avec la première qui s'appelle Temps d'imagerie accessible, la suivante Temps d'imagerie accessible et gratuite, demain à 14h et jeudi à 11h pour la seconde. N'hésitez pas à vérifier le programme et Angela vous mettra les liens dans le chat pour accéder directement à ces sessions. En plus de l'imagerie pure, ce sont des centaines de jeux de données raster et altimétriques qui sont disponibles à des résolutions variées, jusqu'à 25 cm pour certains. Des couches précieuses pour alimenter vos analyses avec des modélisations de différents paramètres du terrain. On intègre, on expose enfin des jeux de données mondiaux et régionaux. Grâce à ces données, vous pourrez vous intéresser au terrain, aux écosystèmes, à l'occupation du sol, à l'atmosphère, à bien d'autres aspects pour décrire et mieux appréhender votre territoire. Dans l'approche solution qu'Esri France développe actuellement sur l'imagerie, nous considérons que la donnée est une part importante. Pas de bonnes analyses sans bonnes données, on va y revenir par la suite. Aussi, nous proposons trois niveaux d'accompagnement sur la donnée image. D'abord, l'étude de chantier. Pour une fourniture d'images, il s'agit de trouver de bonnes images à la bonne date, à la bonne résolution, avec les bonnes caractéristiques spectrales pour adresser la question. Ensuite, nous assurons l'interface avec le fournisseur de données sélectionné et nous mettons les produits bruts à disposition. Sur ces produits bruts, nous pouvons aussi proposer des traitements à valeur ajoutée, comme par exemple la réalisation d'une fusion panchrome multispectrale ou le mosaïquage lorsque plusieurs images sont nécessaires à la couverture de la zone d'intérêt. Enfin, les résultats peuvent être fournis sous forme de fichiers classiques, mais également distribués dans des formats prêts à déployer sur une instance Enterprise ou sur ArcGIS Online. C'est sur cette proposition d'accompagnement dans le choix, la préparation des données images pour vos projets que je termine cette partie de la présentation consacrée au contenu. Et je passe à présent la parole à Angela pour aborder le volet management de ces données une fois qu'elles sont arrivées chez nous. Nous savons tous que, de plus en plus, nous sommes amenés, pardon, à travailler avec des volumes massifs d'images et des données de télédétection. Et il est donc primordial et essentiel, de vous donner les moyens pour une gestion efficace et correcte des images et des données raster afin de garantir leur accessibilité. Alors, pour cela, ArcGIS supporte un très grand nombre de différents types de formats et de capteurs, qu'ils soient satellites, aériens ou drones, et nous mettons à votre disposition des modèles de données bien définis et optimisés pour gérer cette grande quantité d'images, comme par exemple les jeux de données mosaïques qui peuvent référencer des millions d'images et les faire apparaître comme un jeu de données virtuelles unique ou permettre un accès rapide à n'importe quelle image individuelle ou une collection d'images. Les métadonnées, quand elles sont renseignées, sont stockées également dans la mosaïque. L'accessibilité passe bien entendu par le partage des données. Vous pouvez donc générer des services d'imagerie, des couches de scène, des services de cartes tuilées, et ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez partager des couches voxel. Vous pouvez donc publier sur votre ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise et rester propriétaire de vos données. Ou alors, vous pouvez décider de les partager, soit au sein de votre organisation, à travers des groupes spécifiques ou publiquement.
Alors, les options de déploiement pour ArcGIS Images, il y a encore 2 ans, n'étaient qu'au nombre de 2. Sur ArcGIS Pro, avec l'extension ArcGIS Images Analyst, et sur ArcGIS Enterprise, avec un ArcGIS Images Server. Et depuis l'année dernière, ceci est possible sur ArcGIS Online et ArcGIS Images Dedicated. Commençons par ArcGIS Pro, qui est l'outil ultime pour le management d'images. Alors, il vous fournit toutes les fonctionnalités de gestion pour avoir accès aux images, les gérer, les analyser, donc vraiment tout le nécessaire pour traiter les images. Il permet de lire différents types de formats d'images provenant de différents capteurs, et vous pourrez donc créer et mettre à jour des modèles de données et les analyser grâce à une très large palette d'outils et de fonctions raster, mais également des extensions spécialisées. Depuis ArcGIS Pro, vous pouvez publier vos contenus vers un ArcGIS Online ou un ArcGIS Enterprise ou un ArcGIS Image Dedicated. Et dans l'autre sens, vous pourrez analyser et exploiter des services d'imagerie. En résumé, ArcGIS Pro transforme vos images en produits d'information utiles à la fois pour l'analyse et la visualisation. Une nouveauté qu'on voulait vous présenter et qui est à venir prochainement, alors pour le moment, on n'a pas d'agenda précis à vous communiquer, mais c'est ArcGIS pour Microsoft Planetary Computer. C'est un produit en partenariat avec Microsoft et son principe est le suivant. Il faut savoir que Microsoft a téléchargé sur le cloud Azure européen 10 pétaoctets d'images, dont notamment des images Sentinel, 1, 2, 5, etc. Et vous pouvez y avoir accès. Mais il est clair qu'il n'était pas question de les télécharger, ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop encombrant d'un point de vue stockage. Et donc, l'idée est d'amener en fait votre ordinateur vers ces données. Donc, vous êtes relié directement à ces datas depuis votre ArcGIS Pro et vous pourrez lancer des analyses. Donc, quand vous avez terminé, vous éteignez le service et vous serez donc facturé qu'au réel, c'est-à-dire au temps effectif passé. Et en termes de facturation, il y a également aussi, ça dépendra par exemple de la taille de votre machine. Les données résultantes de vos analyses peuvent toujours être publiées, par exemple, sur un ArcGIS Online. En tout cas, vous pourrez les exploiter comme vous l'entendrez. Le second mode de déploiement que j'ai présenté, c'est ArcGIS Enterprise avec ArcGIS Image Server. Cette solution permet de manager toutes les données dans un environnement Enterprise et d'héberger vos contenus. ArcGIS Image Server vous donne donc des grosses capacités d'analyse raster et la possibilité de paralléliser vos tâches. Il donne accès notamment à l'application web qui s'appelle OrthoMaker, qui va vous permettre de créer des mosaïques d'orthoimages et des produits de surface de terrain à l'aide d'images capturées par des drones. Et il vous donne accès à une toute nouvelle application web qui est le Deep Learning Studio. Je vous en parlerai un tout petit peu plus loin dans le chapitre analyse. Et ce qu'il y a également de nouveau, c'est que vous pouvez faire fonctionner votre ArcGIS Image Server avec un ArcGIS Enterprise qui est déployé sur Kubernetes. Depuis l'année dernière, vous pouvez gérer, analyser vos données d'imagerie sur ArcGIS Online et ce grâce à ArcGIS Image for ArcGIS Online. Vous pouvez donc les télécharger comme un jeu de données raster et non plus comme un simple cache. Vous allez pouvoir les exploiter dans les applications disponibles, dans un notebook et dans un ArcGIS Pro. Et nous vous rappelons que le stockage et l'analyse raster consomment des crédits. Si vous créez des services dynamiques, les crédits associés seront débités, ainsi qu'en passant par une API Python. L'avantage d'avoir ces services d'images hébergés, c'est lorsque les applications que vous allez déployer utilisent ces services, cela va vous permettre d'avoir des fonctionnalités à la volée, ce qui va vous permettre d'augmenter la performance. Mais également, il y a une autre nouveauté que l'on peut citer, c'est l'export vers un package de tuiles qui permet de travailler en mobilité. Donc depuis votre mobile, depuis votre téléphone, quand vous êtes sur le terrain, vous avez accès à votre image, à vos rasters, et vous pouvez travailler directement dessus. Alors, je ne vais pas pouvoir détailler le tout, mais vous avez ici la liste des améliorations apportées, avec notamment, par exemple, un accès possible à l'éditeur des fonctions raster. Vous avez également des nouveaux types de rasters supplémentaires reconnus. Donc, n'hésitez pas à reconsulter notre présentation. Pour terminer cette partie management, le dernier type de déploiement qu'on voulait rapidement vous présenter, c'est ArcGIS Image Dedicated. Alors, celui-ci est en cours de développement commercial, mais je vais vous présenter rapidement ses caractéristiques. Le constat est le suivant. Les entreprises qui ont beaucoup de données sur le cloud et qui veulent exécuter des analyses,
Bah, ne peuvent clairement pas bouger les datas vers un ArcGIS Online, ni de les télécharger en dur sur les ordinateurs. Et donc, on faisait en sorte de déployer un ArcGIS Enterprise près de ce cloud. Et Esri a réalisé que bah, pour certaines de ces organisations, certaines de ces entreprises, bah, d'installer et de maintenir un ArcGIS Enterprise, c'était un challenge pour elles, et donc a créé une nouvelle offre, ArcGIS Image Dedicated. Donc, cette infra sera managée par Esri, c'est Esri qui se charge du déploiement. Et en gros, grossièrement, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. On bouge l'ordinateur vers là où sont stockées les données. Donc, stockage qui peut se faire sur un AWS ou un Azure dans n'importe quelle région du monde. Vous publierez donc directement dans ArcGIS Image Dedicated et cela sera disponible comme un service. Et vous serez donc facturé le temps que la machine tourne pour vos process. Le modèle de facturation est évolutif d'un point de vue de crédit, selon les tâches que vous allez effectuer, si vous faites de la conversion de données, ou si vous lancez une opération d'inférence, ou si vous lancez une succession automatisée d'analyses, etc., etc. Je vais repasser la main à Jean-Baptiste afin qu'on vous parle du Reality Mapping. Dans cette partie, nous allons parler de reality mapping, ce qu'Esri appelait jusque-là cartographie ou mapping en anglais. Mais le terme s'avère aujourd'hui un peu trop restrictif. Et très honnêtement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de terme en français défini, adopté. Mais si vous avez des propositions, nous sommes ouverts. Alors, tentons une définition de cette notion de reality mapping. On retiendra qu'il s'agit d'un processus de création, d'une représentation numérique spatialement précise du monde physique à l'aide d'images, de lidar ou des deux. Ainsi, grâce à une imagerie très précise, nous allons pouvoir créer du contenu de référence et proposer une expérience SIG photoréaliste et intuitive. Reality Mapping dans ArcGIS nous fournit donc des solutions pour créer ces contenus de référence à partir d'une large variété de capteurs embarqués sur des drones, des avions, des satellites, ainsi que des films photographiques historiques scannés. Ça vous permet de traiter votre imagerie selon le type de déploiement adapté à vos besoins, quelle que soit l'échelle. À partir de l'imagerie d'entrée, Reality Mapping va permettre la création de produits 2D tels que des MNT, de l'imagerie orthorectifiée, des orthomosaïques dynamiques, de l'orthovrai. On reviendra sur cette notion un peu plus tard. Avec les bons types de données, il sera également possible de générer des produits 3D, tels que des mèches 3D, intégrant la géométrie et la texture provenant de la photographie, pour un rendu toujours plus réaliste. Pour les images dites non cartographiques, la capacité d'imagerie orientée vient compléter ces produits 2D et 3D pour faciliter la création de ce jumeau numérique spatialement précis. Donc, Reality Mapping peut être vu comme un entonnoir à données alimentant votre base de données avec laquelle vous pourrez réaliser des analyses en utilisant le système ArcGIS, suivre des changements, mesurer des volumes, inspecter des installations, créer des simulations, pour donner seulement quelques exemples. Bien entendu, il y aura des différences entre chaque cas d'usage de chaque type d'imagerie et donc des différences dans les outils logiciels que nous proposerons. On va donc se pencher maintenant sur ces différents outils et ces différents cas de figure. Le reality mapping, c'est notamment une capacité à traiter l'imagerie de drone. Et pour cela, Esri propose une solution de bout en bout. La capture automatique de données peut être réalisée avec l'application pour iPad, SideScan Flights. Alors, je devance tout de suite la question. Nous n'avons pas aujourd'hui de plan précis pour une version Android. Néanmoins, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est sur la table et qui est étudié de près par Esri. Une fois le vol réalisé, on passe au traitement des images acquises. N'importe quelle image de drone dotée de tag GPS. Ces traitements 2D ou 3D peuvent être réalisés dans le cloud en utilisant SideScan pour ArcGIS ou localement avec ArcGIS Drone to Map. Nous allons regarder un peu plus en détail les nouveautés qui sont arrivées cette année. En SideScan Flight, qui permet depuis des années aux pilotes de drones de réaliser des vols de qualité grâce à une variété de modes de vol pour la cartographie 2D et la capture 3D. Cette solution dispose de capacités avancées telles que la possibilité de suivre le terrain ou l'acquisition de vidéos géospatiales pour une utilisation dans ArcGIS Pro. Les nouvelles capacités introduites cette année améliorent notamment la collaboration entre le bureau et le terrain en permettant aux pilotes de planifier leur vol automatiquement en utilisant des polygones partagés au travers de leur organisation ArcGIS. Les organisations avec des programmes stricts en termes de sécurité des vols ont demandé la création de checklists post-mission,
Donc, c'est une fonctionnalité qui est apparue un peu plus récemment cette année. Et notre application de gestion de vol étend en continu la gamme des drones supportés. On citera notamment le support du DJI Matrice 300 avec son GPS cinématique temps réel et la toute récente annonce du support drone Freefly Astro. Sur SideScan, ce qu'on a pu voir, c'est une augmentation d'usage de cette capacité SaaS de près de 50% au cours de l'année qui est en train de se terminer. Sur Drone2Map, la nouvelle version 2022.1 qui est sortie avant l'été avec deux niveaux de licence. Le niveau standard pour la génération de produits 2D, le niveau Advanced pour les produits 3D. Pour rappel, Drone2Map, c'est la solution bureautique déconnectée pour traiter les images de drone, produire des orthobraies, des MNT, des MNS, des nuages de points 3D, des mesh 3D, etc., etc. À noter donc une évolution aussi très importante, c'est que Esri remplace aujourd'hui la technologie Pix4D par son moteur d'aérotriangulation et la technologie Shure pour la génération des produits. Donc, c'est des évolutions majeures qui inscrivent la solution dans le temps avec des solutions Esri maîtrisées. On va revenir sur Shure un tout petit peu après. L'utilisation de SideScan pour ArcGIS en tant que solution cloud s'est énormément développée dans le monde ces dernières années. Je parlais du niveau d'augmentation juste avant. Et de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour soutenir ce développement. La première, c'est certainement l'intégration du moteur de traitement Shure pour la création des mèches 3D. Les organisations disposant d'une forte activité dans les drones se sont aussi appuyées sur l'extension des capacités de gestion de flotte, tout en bénéficiant d'une meilleure intégration avec ArcGIS Online, notamment avec le développement d'un mécanisme unifié d'authentification, ce qu'on appelle le SSO. Et enfin, pour les organisations qui ont besoin de s'assurer que leurs données sont bien stockées dans leur pays ou région, des instances de SideScan ont été dédiées sur des infrastructures en Europe. 2022, comme j'ai déjà commencé à l'évoquer avant, c'est l'année des versions majeures et Drone2Map n'y a donc pas échappé avec sa version majeure 2022.1, sortie en juin dernier et qui introduit des changements importants. Donc, techniquement, c'est l'introduction du moteur de calcul Shure pour la réalisation des produits 3D. Et donc, commercialement, cette version amène deux niveaux de licence, Standard et Advanced, le premier focalisé sur la production 2D, le second sur la capacité 3D, les mèches et les orthovrais en particulier. Alors, l'orthovrai, justement. Qu'est-ce que c'est qu'une orthovraie? Une orthovraie, elle est orthographique pour tous les pixels, c'est-à-dire qu'elle va avoir un certain nombre de caractéristiques géométriques assez intéressantes, notamment le fait de ne pas avoir de dévers de façade, et donc amener une cohérence avec les données d'élévation et les données cartographiques. C'est ce que vous allez voir illustré là sur les deux images, entre l'ortho classique et l'orthovraie. Le bâtiment est bien repositionné, même avec les effets de hauteur, d'élévation du bâtiment, au bon endroit par rapport aux données cartographiques. Donc ça permet notamment de la cohérence entre différentes acquisitions, où l'angle d'incidence sur un même bâtiment peut être amené à varier. Et ça va rendre ces orthovrais adaptés à l'analyse temporelle et à l'apprentissage, parce qu'on va ainsi garantir que le même élément sera toujours au même endroit sur l'ortho-image. Ça, c'est quand même un avantage assez important. Après, il y a un effort d'automatisation du processus de génération avec Shure for ArcGIS qui va calculer le MNS, la génération de l'appareillement dense, le dense matching, qui sera vraiment une étape fondamentale pour pouvoir générer cette orthovraie. Il faudra quand même être vigilant au temps de calcul, mais il sera également possible de paralléliser ce calcul-là en ajoutant du hardware. Quelques recommandations. L'orthovraie est à employer lorsque la cohérence géométrique des données images est critique. Par contre, il sera indispensable de disposer de couvertures aériennes adaptées avec de très forts taux de recouvrement, typiquement du 60-80 en latéral longitudinal. Donc, ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise proposent également des outils photogrammétriques pour créer tout type de produits tels que des MNT, des orthos, qui peut être facilement ensuite intégré en base de données et puis partagé pour la visualisation et l'analyse. Orthomapping est disponible dans ArcGIS Pro au niveau Advanced. Les organisations dotées d'Enterprise avec le rôle Image Server disposent de la web app Orthomaker pour traiter les images de drones. La mise à jour clé d'Orthomapping dans Pro 3, sortie en juin dernier, est le nouveau moteur d'aérotriangulation Esri. L'équipe de développement a fait un travail énorme pour améliorer les performances, tout en améliorant également la précision des résultats, notamment pour les images obliques.
Dans Automaker, c'est la fonctionnalité de balayage qui a notamment été améliorée et l'intégration du capteur SkyView. Et enfin, Shure for ArcGIS, c'est le logiciel professionnel qui permettra de transformer des images aériennes de caméras photogrammétriques et des données LIDAR, si disponibles, en modèles numériques de surface de haute qualité, des orthovrais, des nuages de points, des mèches 3D. Aujourd'hui, ce logiciel est utilisé par des instituts géographiques et des sociétés de prise de vue pour réaliser des couvertures ortho et altimétriques à l'échelle de pays entiers, mais aussi pour la capture en 3D de villes avec de l'imagerie oblique afin d'alimenter la création des jumeaux numériques. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la technologie Shure est également celle présente dans Drone2Map et dans SciScan pour la génération de produits à partir de l'imagerie de drone. L'équipe R&D de Shure, qui est toujours basée à Stuttgart, continue de travailler à l'amélioration de la qualité des produits finaux. Parmi les améliorations apparues au cours de l'année passée, on notera notamment une meilleure géométrie, illustrée en bas à droite, un meilleur texturage du bâtiment, un maillage plus propre et plus précis, ou encore l'optimisation de la taille des fichiers, l'optimisation des performances de streaming des données, illustrée quant à elle en haut à droite. Donc pour terminer, Shure for ArcGIS reste aujourd'hui une solution desktop, indépendante d'ArcGIS Pro. Et si vous voulez travailler avec, il faudra prévoir une machine robuste pour faire tourner cet outil avec suffisamment de RAM et de GPU pour pouvoir bénéficier pleinement de sa puissance. On passe donc aux analyses. Alors, pour ce volet analyse, alors, c'est toujours un gros sujet. On est vraiment désolé, mais on ne peut pas tout traiter en une seule session. Je vous invite également à regarder la session de l'année dernière pour compléter certains sujets, si on n'a pas du tout abordé et que vous attendiez à quelques autres informations. Jean-Baptiste vous met dans le chat le lien en question de la session de l'année dernière. Alors, faire de l'analyse d'image avec ArcGIS consiste à extraire des informations à partir de celles-ci. Et notre système vous permet d'exploiter toutes les formes de données, et ce, de manière efficace. Vous n'êtes pas limité à l'imagerie satellite ou à l'imagerie pas drone, mais vous pouvez vraiment travailler avec différents types de données géospatiales, comme des données multidimensionnelles, de l'imagerie orientée, des données LIDAR, des nuages de points, de la donnée 3D, du Street View, etc., etc. Et ce, en utilisant donc différents types de modèles, des jeux de données raster, des mosaïques et autres. Et en plus d'analyser vos propres données, ESRI vous fournit une collection massive d'images et de données géospatiales. ArcGIS dispose d'un ensemble robuste de capacités d'analyse d'images telles que l'apprentissage en profondeur, le deep learning, l'analyse de séries temporelles, l'analyse de terrain, l'analyse spectrale, etc. etc. Et toutes ces analyses vous permettent de comprendre et de répondre aux questions telles que le quoi, pourquoi, comment, où, etc. Et ce, quel que soit votre domaine d'expertise, quel que soit votre métier, quelle que soit votre spécialité, vous avez à votre disposition un large choix d'analyse. Que vous cherchiez à trouver des anomalies, à explorer des tendances, à effectuer une analyse prédictive, si vous voulez évaluer des changements ou effectuer une extraction de fonctionnalités avancées, tout cela est possible. Si je vous donne des exemples concrets, par exemple, vous allez pouvoir utiliser des données raster historiques pour prédire des emplacements des inondations. Vous allez pouvoir modéliser les stocks de carbone au fil du temps, détecter les navires, ou effectuer une modélisation hydrologique, ou faire quelque chose de si basique avec deux images, la détection de changements urbains, par exemple. Bien sûr, pour répondre aux besoins de vos différents utilisateurs, les analyses peuvent être déployées sur votre espace bureautique ou sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Alors, pour ce chapitre, on va vous présenter des nouveautés sur certaines thématiques. Donc, vous voyez la liste ici. Donc, je vais parcourir l'analyse dimensionnelle, la détection de changements, le radar, le deep learning et les API. Alors, on va commencer par l'analyse multidimensionnelle. Ici, vous retrouverez dans cette diapositive les différentes analyses thématiques liées à l'analyse multidimensionnelle que vous pouvez réaliser avec ArcGIS. Un gros effort a été porté ces dernières années par ESRI pour travailler avec les données de séries temporelles. C'est ce qui est nouveau notamment, c'est la possibilité de faire des ACP, donc des analyses en composantes principales, pour la réduction spatiale afin d'identifier des modèles spatiaux et temporels.
Et ça va vous permettre également d'explorer des changements dans une ou plusieurs séries temporelles de pixels. Concernant la détection de changements, il existe deux types de détection de changements dans ArcGIS. De l'image à l'image, c'est-à-dire que ça va vous permettre de voir où se trouvent les changements et quels sont leurs types, mais également à travers une série temporelle, où là, vous allez pouvoir mesurer si le changement est graduel ou brutal. Cette année a été ajoutée la détection des modifications sur deux images multispectrales. Ça va vous donner la possibilité d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans le calcul des changements, ce qui va être particulièrement utile, par exemple, dans les scénarios où le changement ne peut pas être déterminé que par une seule bande ou avec un seul indice de végétation, par exemple. Et vous avez donc maintenant la possibilité de calculer en fonction de l'angle spectral et de la distance spectrale. Concernant le radar. Alors, on vous l'avait fait remarquer tout à l'heure, la nouveauté de cette année, c'est vraiment l'intégration des fonctionnalités radar dans ArcGIS. Vous allez pouvoir créer des modèles de données à partir d'images radar, donc Sentinel-1 GRD par exemple. Et vous pourrez visualiser ces données radar en jouant avec la polarisation et créer des compositions colorées. Vous aurez donc à votre disposition des outils pour pré-traiter l'image, c'est-à-dire corriger géométriquement et radiométriquement les images radar, et donc convertir cette donnée brute en une donnée prête à l'emploi pour y appliquer vos analyses. Ces fonctionnalités d'analyse radar vont continuer à développer, car à ce jour, il n'y a pas tout le déploiement pour traiter l'image radar, on va dire, dans toute sa complexité. Et vous avez en haut à droite déjà la liste un petit peu des nouveautés à venir. Mais à partir d'aujourd'hui, vous avez à votre disposition des outils basiques pour une utilisation SIG de l'image radar. Alors, où se trouvent ces fonctionnalités ? Le traitement avancé d'imagerie radar pourra se faire grâce à l'utilisation de la boîte à outils Envis Arscape de notre partenaire L3 Aris. Donc, Arscape est une solution de référence en traitement des images char depuis 1998. Ces outils vous permettront donc de travailler avec ces données radar, avec des techniques spécifiques comme l'interférométrie pour la détection de changements et de mouvements, ou des outils de polarimétrie permettant la caractérisation des objets. L3 Aris anime une session ce mercredi sur ce sujet spécifique de l'imagerie radar et des moyens de traitement disponibles dans leur boîte à outils. Et je vous encourage à assister si ce sujet vous intéresse et à ne pas hésiter à revenir vers nous pour étudier vos cas d'usage, pour voir si vous avez des besoins associés ou tout simplement échanger. Jean-Baptiste vous met le lien de la session de L3 Aris dans le chat. Alors, concernant le deep learning, vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur ce domaine. Nous ferons sûrement un webinaire en début d'année prochaine sur le sujet, car il est très vaste, il couvre un très large spectre métier, et ce sera également aussi l'occasion pour nous d'échanger directement avec vous sur ce sujet. En attendant, vous pouvez suivre la session d'introduction au deep learning sur ArcGIS Pro, qui aura lieu demain à 15h30, et je laisse encore une fois Jean-Baptiste vous mettre le lien afin que vous puissiez l'ajouter dans votre agenda si vous êtes intéressé. Alors, pour cette présentation de Deep Learning, on voulait vous montrer deux, trois choses. Déjà, qu'avec ArcGIS, vous pouvez faire du Deep Learning. Et non pas sur une simple image en composition colorée, mais aussi sur d'autres types de données, comme de la donnée 3D, de l'imagerie animée, des nuages de points, qu'ils soient en 2D ou 3D, de l'image aérienne, de l'imagerie orientée, des images terrain, etc., etc. Tout ça, en tout cas toutes ces données, pour faire de la détection d'objets ou de la classification d'objets ou de pixels. Cette fonctionnalité est constamment améliorée, notamment sur les notions de qualité d'inférence, donc le lancement du process de deep learning, mais également sur la performance. Et les efforts sont également mis sur la mise à disposition d'une plus en plus grande variété de modèles pré-entraînés et donc prêts à l'emploi. Alors, pour rappel, voici le schéma d'un process complet pour faire du deep learning avec ArcGIS. Donc déjà, vous pouvez, avec nos outils en général, faire de la gestion de l'image. Ensuite, vous passez sur l'échantillonnage et l'annotation, donc la labellisation, c'est-à-dire que vous allez devoir identifier les éléments
que le modèle va devoir apprendre, préparer les données, c'est-à-dire les exporter, ces échantillons, exporter ces données comme des données d'entraînement, afin donc d'entraîner le modèle pour qu'il puisse apprendre à reconnaître ce que vous lui avez demandé d'apprendre. Et quand vous êtes satisfait du modèle, vous pouvez lancer donc l'inférence, l'opération de deep learning. Et ensuite, pour aller plus loin tout en restant dans la sphère, dans le système ArcGIS, vous pouvez exploiter et analyser les résultats, les publier et les partager et bien sûr les utiliser en mobilité. Vous pouvez le faire sur ArcGIS Pro, mais aussi dans un environnement 3D ou sur ArcGIS Online et maintenant sur un ArcGIS Enterprise via le Deep Learning Studio. On y vient petit à petit. Deux méthodes pour processer du Deep Learning sur ArcGIS. La première méthode, c'est que vous partez de zéro et vous créez votre propre modèle. Vous exécutez donc toutes les étapes que je viens de vous montrer. Vous pouvez le faire depuis ArcGIS Pro avec l'extension ArcGIS Image Analyst ou sur ArcGIS Online avec ArcGIS Image for ArcGIS Online. Et si vous êtes sur un déploiement ArcGIS Enterprise, c'est disponible via un rôle image serveur. Pour cela et pour faciliter les flux de travail de Deep Learning, nous vous fournissons des outils pour l'analyse d'image, l'analyse 3D et également pour travailler avec de l'imagerie animée. Comme nouveauté, ce que vous avez maintenant, c'est des outils de détection et de suivi des objets dans une vidéo. Et parmi les améliorations apportées à ce domaine, vous avez maintenant à votre disposition des outils d'exportation des données d'entraînement beaucoup plus performants. La seconde méthode, c'est d'utiliser des modèles pré-entraînés qui vous permettent d'accéder en fait directement à l'étape du lancement de l'inférence. Cela va vous permettre de moins perdre de temps à faire l'échantillonnage, d'entraîner le modèle, s'assurer qu'il est performant, etc., etc. Des opérations qui peuvent être chronophages. Et donc, Esri vous propose aujourd'hui plus d'une trentaine de modèles pré-entraînés, accessibles directement depuis le site ArcGIS Living Atlas of the World. Et de nouveaux modèles, en fait, sortent chaque mois. Ainsi, leur nombre ne cesse d'augmenter d'année en année, ce qui permet d'élargir les thématiques métiers abordées. Alors, j'attire votre attention. Ces modèles restent entraînés sur des types d'images précis, des environnements donnés, et qui aura nécessairement un impact sur les résultats si vous les utilisez dans des conditions très différentes de l'apprentissage. En tout cas, chaque modèle pré-entraîné est accompagné d'une fiche qui vous permet d'avoir tous leurs détails. Alors, sur ce domaine, en termes de nouveautés et d'améliorations, il y a eu des développements qui ont permis d'obtenir de meilleurs résultats. Il y a eu la création de nouveaux apprentissages et il y a eu une simplification des flux de travail. Alors, concernant cette première partie, pour les meilleurs résultats. Donc, les algorithmes ont été améliorés. Les modèles que vous utilisez pour la détection d'objets ou la classification d'objets ou de pixels sont désormais performants avec un petit nombre d'échantillons. Avant, vous deviez avoir énormément d'échantillons pour vraiment vous assurer que le modèle apprenait bien. Là, maintenant, c'est possible avec un petit échantillon. Lorsque vous avez un chevauchement entre les données, vous pouvez choisir que les résultats soient combinés ou bien lissés. Et un modèle intéressant qui a été ajouté, c'est la segmentation panoptique. C'est un tout nouveau type de modèle qui va vous permettre en fait d'effectuer plusieurs tâches. Par exemple, si vous voulez faire de la classification de pixels et de la détection d'objets, et bien vous allez pouvoir le faire maintenant dans un et même seul modèle. Vous n'êtes plus obligé de faire deux modèles séparés. Concernant la deuxième partie, vous avez les modèles GAN qui maintenant vous aident à générer des données. Alors, ces données ne peuvent pas vraiment être utilisées comme une analyse précise, mais elles peuvent être utilisées pour la visualisation ou des estimations. Et ça va, par exemple, vous permettre de supprimer les nuages ou d'autres artefacts visuels sur vos images. Concernant la dernière partie de ces nouveautés et améliorations, donc pour les utilisateurs, on va dire, les plus expérimentés, Esri a intégré les outils et les API au référentiel d'OpenMM Lab, les derniers modèles de détection d'objets et de classification de pixels, et a également ajouté une intégration avec Team. Esri vous a également mis à disposition un deep learning automatisé qui vous aide à choisir le bon modèle, c'est-à-dire qu'il va tester tous les modèles disponibles et vous donne comme résultat le modèle qui est le plus approprié à vos données, ce qui va vous permettre d'augmenter
votre productivité et d'avoir des résultats plus précis. Alors, nous y voilà enfin. Donc, avec Argis Enterprise, la version 11.0, en tout cas à partir de celle-ci, sortie cet été, Argis Image Server inclut le Deep Learning Studio, donc la nouvelle application web qui rationalise donc l'ensemble du flux de travail de Deep Learning. Alors, cette application web, elle fournit un environnement collaboratif multi-utilisateur basé sur des projets qui vont vous permettre donc de collecter les échantillons, de les vérifier, de les valider, de les exporter comme données d'entraînement, de former les modèles d'apprentissage et d'exécuter les inférences à grande échelle. Le tout via un navigateur web. Et donc, la grande nouveauté, c'est vraiment, parce que c'était quelque chose qui n'était pas possible jusque-là, c'était de faire du deep learning de manière collaborative. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer une petite démonstration. Alors, on va parcourir ici le flux de travail de bout en bout à l'aide de l'application donc Deep Learning Studio, l'application web facile et à utiliser et légère. Et on va former un modèle d'apprentissage en profondeur et on va l'utiliser pour détecter les regards à partir d'une imagerie aérienne. Donc, je suis sur mon Argis Enterprise et j'ai un image serveur et donc j'ai accès à cette application. On va créer un nouveau projet, on lui donne un nom, une description si besoin, et c'est là où on va définir quel type d'inférence je voudrais faire. Ici, on va détecter des objets. Alors, il y a deux étapes pour créer le modèle. On va préparer les données d'entraînement et ensuite, on entraîne le modèle et on sera prêt pour l'utiliser pour lancer l'inférence. L'application est assez épurée et simple pour sa navigation. Pour une première fois, votre projet doit être configuré et vous allez préparer vos données d'entraînement en sélectionnant la couche d'imagerie d'entrée. Vous allez donc définir les étiquettes que vous souhaitez collecter. Ici, il n'y en a qu'un seul type, c'est les regards. Et je vais inviter des collaborateurs, donc des collègues, à m'aider à relever ces étiquettes, donc ces données d'entraînement. Je vais définir des zones de travail pour chacun de mes collaborateurs. Comme ça, je sépare mon image en quatre grilles et je saurai où travailler. Donc, grâce à des outils familiers et faciles à utiliser, vous allez pouvoir collecter manuellement les échantillons. Et donc, vous voyez que là, par rapport à mon regard, je peux dessiner très simplement un cercle pour faire toute ma liste de données d'échantillons. Une fois terminé, ce qui est ça que c'est intéressant, c'est que le chef de projet ou un responsable peut revoir les échantillons d'entraînement et il peut afficher la progression via un tableau de bord. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'examiner la liste de tous les collaborateurs qui ont fait ces données d'entraînement. Et donc, le responsable va pouvoir approuver ou rejeter votre échantillon. Comme quoi, cela, c'est un artefact. Je ne le considère pas comme un vrai objet. Je l'enlève de ma couche d'entraînement. Une fois que votre étiquetage est terminé, on exporte les données d'entraînement et on va entraîner le modèle d'apprentissage en profondeur. Donc, je sélectionne l'action en tant que telle. Je vais lancer une nouvelle itération. Je sélectionne donc les échantillons que j'ai préparés juste précédemment. Je spécifie certains paramètres d'entraînement pour que mon modèle soit le plus pertinent possible et je lance l'entraînement. Cela prend bien sûr quelques minutes. Vous avez ici le graphique qui vous permet de juger si le modèle est assez bon pour la détection d'objets prévus. Vous pouvez lui donner un nom et vous pouvez publier le modèle sur le portail. Ainsi, vous allez pouvoir donc l'utiliser pour détecter les regards. On choisit le modèle en question. Vous choisissez bien sûr l'imagerie, c'est-à-dire pardon, l'image sur laquelle vous voulez processer l'inférence. Et ensuite, vous lancez l'inférence. Vous pouvez également aussi sélectionner qu'une certaine zone pour lancer l'inférence et pas sur la totalité de l'image. Et vous obtenez donc vos résultats, donc les résultats du deep learning par rapport à vos modèles que vous avez préparé directement sur l'application web, que vous avez fait vérifier en collaboration, que vous avez entraîné le modèle et lancé l'inférence. Tout ça sur une application web sans rien installer sur votre système local. Dernier chapitre de ce dernier sujet pardon, de ce chapitre analyse, donc les API. Alors, si vous êtes plutôt de ceux qui préfèrent coder plutôt que d'utiliser une interface utilisateur sur Argis Pro,
C'est possible aussi de faire de l'analyse d'image. ARPI fournit une bibliothèque complète de presque toutes nos fonctionnalités bureautiques. L'API ArcGIS pour Python est une bibliothèque légère qui permet le traitement dans votre SIG web. Et ces API s'adressent donc à vous en tant communauté de développeurs et vous permet d'automatiser un très large éventail de tâches, et ce en simplement utilisant Python. Vous avez accès à une collection de modules aussi pour l'analyse raster et d'imagerie qui vont contenir un certain nombre de classes, de méthodes, de fonctions. Et dans cette version, des nouvelles fonctionnalités raster ont été ajoutées avec notamment, par exemple, la possibilité de travailler sur la détection de changements ou de faire de l'interpolation dimensionnelle, etc., etc. Alors, on va passer au dernier chapitre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous nous suivez toujours. On est conscient que ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc, au cours de cette session, on vous a montré donc, les contenus, le management avec les quatre types de déploiement, le reality mapping avec ses nouveautés et ses améliorations, et je viens de vous présenter donc, le gros volet analyse. Et donc là, maintenant, on termine avec la visualisation. Alors, les solutions et produits ArcGIS vous donnent de nombreuses capacités pour visualiser et exploiter l'image en tant que telle, mais aussi les données issues du traitement de l'imagerie. Donc, vous utiliserez l'image comme information géospatiale et vous allez pouvoir maintenant, par exemple, ajouter des éléments graphiques ou vectoriels pour lui donner bien plus de contexte. Des outils sont à votre disposition pour exploiter vos images, par exemple faire des mesures, des captures, déjà aussi pour vous faciliter la lecture sans distorsion. Et on va vous les rendre accessibles via des applications telles que ArcGIS Dashboard ou ArcGIS Story Map. Ou bien, vous allez pouvoir les rendre interactives via des applications comme ArcGIS Instant Apps ou via des générateurs d'applications qui ne nécessitent aucune programmation et faciles à prendre en main, comme par exemple un ArcGIS Web App Builder ou un ArcGIS Experience Builder. Alors, pour visualiser vos images et toutes les informations extraites, vous pouvez le faire, bien entendu, sur ArcGIS Pro, produit phare, toujours, qui continue donc d'améliorer ses capacités de rendu, avec notamment comme nouveauté des nouvelles palettes de couleurs, des rendus de relief ombré, etc., etc. Vous pouvez les visualiser sur le web, soit via un Map Viewer pour de la donnée 2D ou une Scene Viewer pour de la donnée 3D. Il y a également des nouveautés sur la symbologie, avec par exemple des rendus de flux animés, et vous allez pouvoir maintenant configurer l'ordre d'affichage des images, mieux les filtrer, etc. Et concernant la 3D, en plus des améliorations apportées à sa visualisation en tant que telle, vous pouvez désormais lire et visualiser des couches de scènes voxel. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait posé la question de qu'est-ce que c'était une couche voxel, donc je vous ai mis la réponse, donc c'est voilà, une représentation de la donnée spatiale et temporelle en 3D. Alors, je vous propose un petit focus sur l'imagerie orientée. Alors, celle-ci, c'est vraiment la solution à l'échelle d'ArcGIS pour la gestion et la visualisation et l'exploitation d'images qui ne pointent pas directement vers le sol, qui ne pointent pas au nadir. Donc, ça concerne les images obliques, les côtés rues, les images d'inspection, les 360 degrés, les panoramiques, les grands angles et même la vidéo. Et avant, vous pouviez juste les visualiser, alors que maintenant, vous allez vraiment pouvoir les exploiter, effectuer des mesures, superposer des graphiques, numériser les graphiques, filtrer les images en fonction du temps, etc., etc. Ici, vous avez toute la liste des fonctionnalités à votre disposition. Concernant encore l'imagerie orientée, cette diapositive vous résume les nouveautés. Alors, celle au niveau de l'API, donc maintenant vous allez avoir la possibilité de créer des applications web personnalisées et d'accéder à la fonctionnalité d'imagerie orientée. Au niveau d'ArcGIS Pro, vous allez pouvoir changer le thème, vous allez pouvoir gérer des tronçons 3D. Et côté web, via ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, la nouveauté majeure, c'est l'intégration de l'imagerie orientée dans des applications telles qu'un ArcGIS Experience Builder et ArcGIS Quick Capture via un widget. En plus de la visualisation de base en tant que telle,
Argis vous propose vraiment une expérience utilisateur spécialisée, c'est-à-dire conçue pour les analystes d'images afin de tirer le meilleur parti de tous les types d'images. Sur Argis Pro, c'est l'extension Argis Image Analyst qui étend les principales fonctionnalités de visualisation. Cette extension permet d'inclure l'imagerie animée, l'imagerie stéréo et oblique. Les fonctionnalités stéréo ont été étendues pour inclure des capacités de suivi de terrain, entre autres, et afin de créer une expérience beaucoup plus intuitive et immersive lorsque vous travaillez avec de la stéréo. Argis Image Analyst vous permet également de visualiser des images obliques du point de vue du capteur, pour mieux comprendre ce que vous regardez. Et grâce aux fonctionnalités Full Motion Video, les analystes d'images, en fait, vous allez pouvoir suivre de manière dynamique l'empreinte vidéo et l'emplacement du capteur sur une carte lors de la diffusion en direct ou si vous diffusez la vidéo enregistrée. Ça va vous permettre vraiment de tirer parti des outils améliorés pour l'exploitation de la vidéo. Alors, pour vous encore, chers analystes d'images et ceux qui travaillent sur un Argis Enterprise, vous avez également accès à un Argis Excalibur. Alors ça, c'est vraiment une puissante application d'imagerie basée sur le web qui va vous permettre donc de rechercher, découvrir, analyser, interpréter et partager des images. Esri a continué à étendre ses capacités et notamment en intégrant un peu des flux de travail SIG de base. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir activer le géo-enrichissement des couches SIG et donc d'avoir beaucoup plus de contextualisation, beaucoup plus d'informations sur les zones que vous étudiez. Et également, vous allez pouvoir faire maintenant de la détection de changements. Ce n'est qu'entre autres les nouveautés qui sont arrivées sur Argis Excalibur. Alors, avec tout ce travail effectué, tous nos outils d'analyse, tous les différents types d'images que vous avez, nous, on vous aide également à communiquer dessus. Et vous allez pouvoir partager donc tout votre travail et le rendre visible via des story maps ou d'autres applications. Donc, Esri vous fournit une API riche, des widgets faciles à utiliser qui peuvent être connectés dans le but de créer vos applications pour interagir avec les images, justement. Vous avez donc aussi la possibilité de créer votre propre expérience web, donc vraiment vous le personnalisez à l'aide de l'API Argis pour JavaScript. Et dans l'API JavaScript, vous pouvez avoir accès donc aux nouvelles fonctionnalités que j'ai mentionnées plus tôt dans la visionneuse de cartes ou la visionneuse de scènes si vous travaillez avec de la donnée 3D, qui va juste vous permettre justement d'avoir des rendus de flux animés, d'avoir accès à la couche voxel, etc., etc. Voilà pour ce dernier chapitre analyse. Je vais laisser Jean-Baptiste conclure cette session et ensuite nous répondrons à vos questions. Alors, hop, je reprends la main. Ok. Bien, donc voilà, on est arrivé au bout. Voilà donc la conclusion de cette présentation des nouveautés en imagerie sur le système Argis. Donc, vous l'avez compris, Argis, c'est bien un système complet d'imagerie qui couvre la gestion des contenus images, leur création, leur visualisation et leur analyse. Vous avez pu entrevoir, et là, effectivement, c'était vraiment un aperçu, parce qu'on n'a vraiment pas pu aller très, très loin dans le détail de tout ce qu'il y avait, de tout ce qu'il y avait dans le système. Donc, vous avez pu entrevoir la richesse du système sur ses grandes capacités, et vous avez aussi pu constater les efforts que Esri a pu mettre pour continuer à développer cette richesse fonctionnelle et applicative avec un écosystème qui est vraiment très complet en termes de solutions employables dans tous les contextes d'usage et tous les environnements de déploiement. Donc, pour compléter en fait ce qu'on vient de vous expliquer là pendant l'heure qui vient de s'écouler, je vous ai mis ici en fait différents éléments, des liens vers les bonnes ressources d'Esri France sur l'imagerie. Notamment la page dédiée sur le sujet, la communauté lancée en début d'année pour soutenir les usages du LiDAR HD de l'IGN. Il y aura d'autres présentations aujourd'hui et puis dans le reste de la semaine sur ce sujet-là. Ou encore notre proposition de formation sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aussi sur le village Esri France. Vous avez mis le petit logo en haut à droite que vous retrouverez sur le village Esri France.
N'hésitez pas à venir nous voir pendant la semaine pour approfondir les points sur lesquels on serait passé un peu vite, et j'imagine qu'il y en a quelques-uns, ou simplement revenir pour des démonstrations sur des aspects qu'on n'aura pas démontrés pendant cette heure. Et voilà, et de façon générale, on reste à votre disposition toute la semaine et après la conférence, évidemment. Donc, il nous reste un peu de temps, on va pouvoir aborder les questions, engager la discussion. En tout cas, merci beaucoup pour votre question, merci beaucoup Angela pour la présentation. Et donc maintenant, la parole est à vous. Alors, on avait des questions, je l'ai mentionné tout à l'heure, quelqu'un posait donc demandait ce qu'était la couche voxel. Et Gaëtan vous a ajouté également, je vois, des liens sur le blog déjà Arcorama pour avoir beaucoup plus d'informations et également en complément sur notre site. Dans les discussions, dans les questions, On a pour juste peut-être l'instant. le temps de taper une ou deux minutes. Oui, bah oui. En tout cas, on espère que cette session vous a apporté les informations que vous êtes venu chercher. Bon, écoute, je pense qu'on est bon. A priori, pas de questions, oui. Alors, soit on a assommé tout le monde, soit c'était d'une clarté absolue et voilà. En tout cas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de questions pendant la session qu'il faut que voilà. N'hésitez surtout pas à venir sur le village Esri France, à prendre des rendez-vous avec l'équipe imagerie. Merci. Michael Lebars qui nous dit que c'était dense et qu'il faudra regarder le replay. Ben voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, le replay. Et puis, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser des questions, à approfondir certains aspects. On est bien conscient que, voilà, on a un petit peu bombardé pendant une heure. C'était effectivement assez complet. Et donc, voilà. Mais on vous remercie, on vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée parmi nous, une très bonne conférence et n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. On vous remercie chaleureusement. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.